toi d'amour n'a duré que quelques temps. Puis tu es parti de ton côté et moi du mien. Fou d'amour, je suis venu à ta porte, mais elle était déjà fermée. Dois-je mourir pour t'avoir aimé? Non, quelle tournure cette histoire d'amour prendra-t-elle? C'est nous, Baba. Laila. Naam, Baba. Tu étais où? Baba, je te... Tu... T'es-je pas interdit de sortir? Non, Baba, tu m'as dit d'attendre Mukhtar. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il t'arrive, ma fille? Baba, ta fille aime une autre personne. Qui? Le voici. Sors le chemin tout de suite. Pourquoi tu dis ça, Baba? C'est la personne que j'aime et c'est lui que je vais épouser. Ce petit voyou qui m'a manqué de respect devant ma maison. Je vous demande pardon, Baba. Ne m'appelle plus Baba. Je ne suis pas ton père. Écoute, écoutez-moi bien. Je ne te connais pas. Et je ne t'aime pas. Je ne veux plus voir cette personne à côté de ma maison, ni aux alentours. Je t'interdis formellement de le voir ou de lui parler. Baba, pourquoi tu me fais ça? J'étais trop gâté. Et voilà le résultat. Tu mets ma décision en cause. Je t'ai donné un jeune homme, respectueux, bien éduqué, venant d'une famille honorable. Pendant ce temps, que fais-tu? Tu m'amènes un bandit. De grands chemins, fumeur de mbanga. Sache que de mon vivant, je n'accepterai jamais une telle vulgarité dans ma maison. Je suis 10 000 fois mieux que votre fils. C'est pas mon fils. C'est mon gendre. Le futur mari de ma fille Laila. Attends. Si tu sors de cette maison, ne reviens plus jamais. Et ne m'appelle plus Baba.
Choupi. Ce mariage aura lieu. Je vais te rendre cette gifle. Abdel, c'est comment avec Layla? Ça va. Tu sais, j'aime bien Layla. Je suis profondément amoureux d'elle. Mais elle m'a fait quelque chose là qui me fait terriblement mal. Je te jure. Wallahi. Mais tu sais, quand on aime, on doit supporter. J'ai dit, la cigarette là, ça te donne quoi? Ça m'aide à évacuer mes soucis. C'est très mauvais pour la santé. Il faut laisser ça. Et arrête de marcher avec les gens là. J'ai même peur de cet endroit. Je te jure. Je n'aime pas le secteur là. Cet endroit me fout la trouille. Il faut que je parte. Abdel, je veux mon argent. Je ne peux pas passer tout mon temps à boulot. Toi, tu chopes les dos et tu ne veux pas guider mes dos. Je n'ai pas encore tout mon kako. Toi, tu ne goûtes pas autour. C'est nous qui goûtons autour. Et toi, tu chopes les dos dans le sia. Tu n'es pas la seule toiteuse. Nous sommes tous des toiteurs. Non, non, non. Ça ne peut pas donner le tout. Ça va rendre ça. Ça va seulement rendre ça, je te dis. Non, mais de toi en moi. À part la vente en ligne que tu fais, qu'est-ce que tu fais à part rester dans ton appartement luxueux? Non, elle est en dans le ghetto. Pourtant, toi, tu es là, tu fais le beau, tu joues au beau dans ton appartement. On t'a dit que c'est tout le monde qui peut vendre en ligne, là. Et si je vis dans un appartement luxueux, c'est parce que je prends plus de risques que vous. Dis-moi, Medo, avant d'aller boler avec ta bourguesse là. Dis-moi, Mathieu. Tu sais quoi, Nyongo? Faut Nyongo. Nyongo avant que je ne verse. Le cœur de quelqu'un. Ah, laisse seulement. Le quelqu'un là me fait souffrir. Ça fait 3 jours que je l'appelle, il ne décroche pas. Ouais. Là, je conclue qu'il n'est pas là. Exact. S'il te plaît, donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler quand tu seras avec lui. Ne lui dis pas que c'est moi qui appelle. Fais-moi juste signe. Ok, donne-moi le tien. Je te ferai signe quand il sera avec lui. Elle est. Elle se lave. J'ai besoin d'elle. D'accord. Allô? Ciao!
façon le cœur. L'amour brise le cœur. L'amour est impossible à mesurer ou à cacher. L'amour est capable de détruire tout sous son passage. Et nous voilà détruits maintenant. Tu peux appeler. Ce n'est plus la peine. On commence la célébration de mon mariage demain. Ok. Abdel. Non. Tu as les nouvelles de Layla? Non. Pourquoi? Tu ne l'aimes plus? Je respire ce que je l'aime. Mais on a des problèmes. Je lui fais un peu marcher, c'est tout. Layla. Non, Baba. To Mahmoud war ore na mayasi. Ni adena ma urtu ko wala mo jarena. Va porter ton voile. Plus vite que ça. Elle t'a cherché l'autre jour. Quand? Elle m'a trouvé devant ta porte. Et c'est maintenant que tu me dis ça. C'est pas tout. Tu sais qu'on célèbre son mariage demain. Quoi? Comment sais-tu? Comment as-tu son numéro? En tout cas, c'est pas la peine. Allons chez elle. Layla! Ça suffit. Quitte cette maison. Sinon, j'appelle la police. Je ne quitte pas cette maison, ça m'a bien aimé, Layla. Appelle qui tu veux. Ta Layla? Moi vivant, je n'accepterai pas qu'une autre personne s'approche de ma Layla. Tu es qui pour dire cela? Je suis la lune qui éclaire ton esprit et le soleil qui donne vie à notre amour. Layla. La vie est tellement belle avec toi. Je t'aime à la folie. Je vais t'épouser. Avoir des enfants de toi. Tu es l'amour de ma vie. Oh, qui c'est lieu? Monsieur, je m'adresse pas à vous. Comment oses-tu parler comme ça à mon père? Layla. Non, on t'a assez écouté. Tu parles de l'amour, pourtant tu ne connais pas sa signification. Tu penses que je peux m'aimer plus que mon père? Lui qui a souffert avant ma naissance? Lui qui m'a aimé avant ma naissance? Lui qui m'a accueilli dans ce monde avec ses deux bras et tout de suite il m'a donné son amour? Et tout ce qu'il possède dans ce monde? Son nom? Son temps? Il m'a soigné. Il m'a éduqué. Il m'a nourri, vêtu, élevé et protégé. Et toi, tu sors de nulle part pour venir me parler d'amour? Écoute, petit bandit. J'aime mon père plus que tout au monde. Et j'obéirai à tout ce qu'il m'ordonnera.
Il a pris sa décision en donnant ma main à Mokhtar. Je respecte cela. Et sa décision, c'est la loi. Va soigner ton chagrin auprès de Patricia. Je t'ai vu l'autre jour manger son rouge à lèvres. Je te déteste de toutes mes forces. Et moi, je t'aime de toutes mes forces. Sors de cette maison. S'il ne le fait pas, suis-le s'il le faut. C'est la fin de notre histoire d'amour. Seul le destin nous dira. Va-t'en. Elle ne bouge pas d'ici. Si elle ne bouge pas d'ici, je vais broyer ton bras. Tiens, attends-moi à la maison. Et ne dis rien à personne. Abdel, tu me fais mal. Abdel, j'ai mal. C'est le but. Pour que tu ressentes la même douleur que tu m'as affligée dans mon cœur. Blessé, trahi, empoisonné. Toi, tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as détruit tout en moi. Depuis le jour que je t'ai vu avec Patricia. Je n'ai plus confiance en toi, ni à ton amour. Laisse-moi partir avant que mon père ne me trouve ici. Leïla, je t'ai aimé dès la première minute du premier jour. Et je t'aimerai toujours, peu importe ce qui va se passer. Laisse-moi, je veux partir. T'ouvre pas. Laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît.
Adel. Oui. Pourquoi tu fumes? Oh non, je ne fume pas. Non, je fume pas. Tu sais que je n'aime pas les mensonges. En plus, tu n'es d'ailleurs pas un bon menteur. Tu veux mourir jeune? Non, pourquoi? Je te laisse avec qui? Alors, si tu ne veux pas mourir vite et me laisser toute seule dans ce monde, arrête de fumer. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, la cigarette et moi, c'est fini. Tu verras. Tu seras en bonne santé. En plus, tu seras plus beau et efficace. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui t'a montré cette maison? Tu as oublié que je suis un grand bandit, même comme vous m'appelez petit bandit. S'il te plaît, va-t'en d'ici avant que Mokhtar vienne te trouver et dis à mon père. Si tu ne veux pas que ton guignol de mari vienne me trouver ici, tu n'as qu'à rester tranquille et m'écouter. Je suis malade. Je n'ai plus de vie. Crois-tu que c'est facile de se battre pour vivre heureux? Crois-tu que c'est moi qui ai voulu t'aimer? Crois-tu que c'est moi qui ai décidé de ton départ? Je voulais seulement que tu restes auprès de moi, que tu ne me quittes pas et qu'on s'aime à jamais. Je t'ai vu embrasser cette fille. Pourtant, tu m'as dit que c'était fini entre vous. Elle, c'est pour le plaisir. Mais la femme que j'aime, c'est toi. Tu dis que tu m'aimes. Pourtant, tu donnes ton corps à une autre femme. Oui, seulement mon corps. Mais mon cœur t'appartient. Waouh. Qu'est-ce que tes mauvais raisonnements me manquaient. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je sais que tu m'aimes. Et tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre comme moi. Je ne t'aime plus. La bouche peut mentir, mais les yeux ne mentent pas. Je ne peux même pas imaginer un autre homme te toucher et caresser ton corps. Tu ne peux pas imaginer la douleur que je ressens. Abdel. Abdel, sors de chez moi! Nos cœurs se sont choisis. L'amour nous a unis. Mais voilà, la vie nous sépare. Je suis une femme mariée maintenant. Oublie-moi et efface-moi de ta mémoire. Hier, tu étais avec moi. Mais ce soir, je te cherche. Mais je ne vois que de merveilleux souvenirs. Le souvenir d'un ami
d'une fille, d'une femme que j'ai beaucoup aimée. Adieu. S'il te plaît, ne m'efface pas de ta mémoire. J'ai toqué hier à plusieurs reprises. Pourquoi tu n'as pas ouvert? Parce que je ne peux pas laisser un soula dormir à côté de moi. La maison s'y est à toi ou à ton père? Ne parle pas de mon père comme ça. Si je parle, tu vas faire quoi? Aladji, ça fait 2 semaines du mariage que votre fille me refuse de dormir dans la chambre conjugale. Elle ne cuisine pas et pourtant chaque jour, elle me demande d'acheter les yaourts, les biscuits, les chocolats et les poissons braisés. Tout ce qu'elle me demande, je fais. Oui, Aladji. Oui. Odunani. Leila. La am baba. Allô Maria, je suis chez Emma. Kai baba. Kimi ni ni aro wala na koko maro. Baba Allah odosiwa. Thank you.
l'impression que la terre s'est arrêtée de tourner. J'étais disloqué. Je n'avais ni faim, ni soif. Mon cerveau se nourrissait seulement de l'image de Layla. Allô? Oui, allô? Excuse-moi de te déranger. Si je t'appelle, c'est parce que je suis dépassé. Qui a-t-il? C'est Abdel. Ça fait 2 mois qu'il est disloqué. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Maladie d'amour sûrement. Si tu ne fais pas quelque chose, ça va empirer. Qu'est-ce que je peux faire? C'est toi la maladie. Et c'est toi le remède. Ma copine a des problèmes, je dois aller lui rendre visite, s'il te plaît. Non, puisque ton père m'a demandé de ne plus te laisser guetter le dehors. Oui, je sais, mais c'est entre toi et moi maintenant. Je gagne quoi alors en retour? Tu veux acheter mon silence, non? Propose quelque chose. Tout ce que tu veux. C'est mon Abdel qui est devenu comme ça. C'est lui. Ya Allah. Depuis qu'on se connaît, c'est la première fois que tu ne m'as pas regardé, même pas une seule fois. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille, va-t'en. Un jour, ici même, tu m'as fait une promesse, dans cet endroit même, que tu ne me laisseras jamais tomber. J'ai besoin de toi car je souffre. Ma vie n'a plus de sens. Depuis qu'on est séparés, Mokhtar me maltraite et me bat chaque jour. Et à chaque fois qu'il met les mains sur moi, c'est à toi que je pense. Mon père ne veut rien savoir. Il n'y a que toi qui peut me sauver des griffes de Mokhtar. Je t'aime, Abdel. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Elle vient de me dire.
décidé de l'effacer ou de l'embrasser. La balle est dans mon camp. J'ai écouté mon cœur. Je vais te sortir de là, ma bien-aimée. Tu veux te battre? Bats-toi avec un homme, espèce de lâche. Laisse ça! Et ta vie, je ne peux jamais me mettre la main sur elle. Oui, gueule. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Abdel, je n'ai rien entendu. Tu as compris? D'accord. Ne pas, s'il te plaît, Abdel. Ne mets plus ta sale main sur elle. Hein? D'accord, d'accord, grand, j'ai compris. Oui, gueule. Non, tu es une femme mariée. Sache que maintenant, même la mouche ne peut plus mettre la main sur toi. Il me dit qu'elle ne te touche pas, il est qui? Depuis que tu étais payé la même, tu me sers à quoi? Je ne suis pas une marchandise. Si, tu es une marchandise. On a bien payé ton père avant de te prendre. Vous pouvez acheter mon père? Oui, ton père est un mendiant. Il a bien mangé chez mon père avant qu'on lui ait donné le marché. Mon père n'est pas un mendiant. C'est un homme intègre. Et il pensait bien faire les choses. Quoi? Il lèche les bottes de mon père chaque jour. Non, Baba. Je suis un homme qui a été là. Pourquoi tu m'appelles à une heure si t'as dit? J'ai fait un mauvais rêve. J'espère que tu te portes bien. Non,
Mokta vient de faire un accident et il est mort sur le champ. Il est en état d'ivresse. Oh mon Dieu, je viens de rêver qu'il t'a tué devant moi. Ça veut dire que ton rêve a montré le contraire des choses alors. Mais sinon, ça va aller, j'espère. Ouais, je crois que ça va aller. Bon, on se voit demain. D'accord. Bonne nuit sous la protection d'Allah. Merci, mon amour. À demain. Allô? Oui, mon père veut te parler. Non, attends, ne lui donne pas. Damo, Baba. C'est nous, on est à la dit. Non, appelle-moi Baba. Ah, toi, Baba. Nika di bingela, ma famille. Yawa. Je vais te voir ce soir chez moi. Toi, minan, inshallah. Awara, nyawa, mangari, bagadi. Mieti, mwaran. Toi, mido, heriti, makadi. Laila, da, téléphone. Yawa, merci beaucoup, Baba. Mieti, mwaran. Yes. Que tu disais? Toi, ta beauté a coupé le souffle. Que pour tout le monde se coupe, mais j'ai besoin de ta part pour respirer et t'aimer. Oh, mon rayon de soleil, je t'aime Layla et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Allô, ma? Je suis allée chercher Abdel. Prenez un topo fort, pour fort. Layla, arrête-toi, je te parle. Dis-moi mon cœur, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Pourquoi Maïs sans raison? Eh bien, j'ai mes raisons et des preuves à l'appui. Tu sais quoi Abdel? Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Oublie-moi et oublie notre histoire d'amour qui n'a d'ailleurs duré que quelques temps. Oh ma belle, ma vie, ma bien-aimée, que tu changes d'avis ou pas, tu seras toujours à moi. Je ne suis plus à toi, car ma mère a déjà donné ma main à un autre. Layla, mon cœur ne peut pas tenir sans toi. Nous avons fait une alliance éternelle. L'amour n'est pas une coïncidence. Que tu le saches ou pas, que tu le crois ou pas, nous resterons toujours ensemble. C'est une promesse. Nul le vent, nul le feu, ni le déluge n'a le pouvoir de me séparer de toi. Même pas ta mère. Oui, même pas ta mère. Viens me manger. J'ai dit même pas ta mère. Viens me manger. Si tu penses que tu peux jouer avec mon cœur à chaque fois que tu en as envie, tu te trompes lourdement. Abdel. Non, tais-toi. Je t'ai assez écouté. Tu peux me dire pourquoi la lune éclaire-t-elle le jour? Tu n'as pas de réponse? Quand tu me demandes de t'oublier, tu veux me dire de ne pas t'oublier. Oui. Pendant que tu seras avec ton gars dans votre paradis,
moi je serai en train de suffoquer tout seul dans les flammes de l'enfer. Sache que cette fois-ci, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est soit tu es avec moi ou avec personne d'autre. Sache que c'est pas un regard d'adieu. Tu es mienne et tu resteras toujours mienne. Cette histoire d'amour n'a duré que quelques temps. Mais je ferai en sorte qu'elle soit une éternité. C'est une promesse. La promesse d'un homme qui a renoncé à la cigarette. Un homme qui a renoncé à la cigarette, c'est un homme qui est capable de tout. Cette histoire d'amour n'a duré que quelques temps. Puis tu es parti de ton côté et moi du mien. À chaque naissance, je serai ton adorateur. Et je veux qu'à chaque naissance, tu sois mien.